For centuries, the city of Verdun had been a symbol of French strength. However, in 1916, the defenses around the city were neglected in this quiet sector. But then at dawn, on the 21st of February, a sudden infernal barrage of 1 million shells hammered Verdun, turning it into the Devil's Anvil. Verdun survit dans le hurlement des obus. Un énorme rideau de fumée noire s'étend comme un voile sur l'enfer. Un barrage d'artillerie de cette ampleur ne peut signifier qu'une chose. Il va se dérouler ici une bataille comme le monde n'en a pas souvent vu. Des déserteurs allemands ayant franchi nos lignes nous ont dit que toutes les permissions avaient été annulées et que quelque chose de terrible se préparait. À la fin du tir d'artillerie, 2 hommes sur 5 avaient été enterrés vivants dans leur abri. C'est le chaos, la fumée, le bruit, le danger. Nous n'avons plus aucune communication avec le commandement. Nous ne savons plus quoi faire. C'est à croire qu'un million d'obus explosent simultanément. Comment ne pas avoir peur ? Wir sind auf eine lange Schlacht vorbereitet. Aus ganz Europa treffen mit Zügen Truppen und Vorräte ein. Wir rücken langsam vor, Schwelle für Schwelle, Schiene um Schiene. Sie sind unsere Skalpelle, die in das Herz Frankreichs stechen. Wir werden dieses Land aufschneiden und ausbluten lassen. Diese Offensive hat einen Decknamen, Operation Gericht. Ich weiß, dass diese Schlacht diesen schrecklichen Krieg beenden wird. After an initial breakthrough, the Germans took the massive fort Douaumont. This advance would soon come to a halt as the French poured men and resources into the area, determined to defend Verdun at all costs. And as the Germans approached Fort Vaux, the outcome was far from certain. Le commandant Reynal a veillé à ce qu'on barricade le plus grand nombre d'entrées possible. Les Allemands sont pas prêts de mettre un pied dans le fort. Depuis 2 jours, nous sommes bloqués dans un tunnel et pleurons à cause des obus lacrymogènes. Pour essayer de calmer ceux qui m'entourent, je chante la Marseillaise. D'autres racontent comment leurs grands-pères ont défendu Verdun avec succès, il y a bien des années. Reynal nous a dit qu'il en était réduit à employer des pigeons. Un comble dans cette guerre mécanique et technique. On manque d'eau, au point que certains hommes en sont réduits à boire leur propre urine. Ironiquement, il pleut beaucoup dehors. Morgen sollen wir Fort Vaux angreifen. Niemand weiß, was sich hinter diesen dicken Mauern verbirgt. Es heißt, die Festung wurde nach Bismarcks schrecklichem Krieg errichtet, um die Region vor zukünftigen Invasoren zu schützen. Und hier stehen wir nun, gehen uns gegenseitig an die Kehle und sterben lieber, anstatt auch nur einen Schritt zurückzuweichen. In late June, literally dying of thirst, the French were forced to surrender Fort Vaux to the Germans. Immediately, the French struck back and took the fortress, but with devastating losses on both sides. While the battlefield was not even a square 10 kilometers, 700,000 were now dead, wounded, or missing. This was the longest battle of World War I.